News. Merci de nous rejoindre pour qu'on vous explique l'état du recyclage à l'école. We know that schools generate lots of waste, just like the lycée Jules Verne. Recycling allows us to minimize pollution and to give a second life to what we throw away. Adrien Larchi, journaliste, et Abdul Rachid à la caméra ont rencontré Pierre-Yves pour voir comment fonctionne le recyclage à l'école. Bonjour, nous avons rencontré pour vous Pierre-Yves Lenain, responsable de la maintenance à l'école. Il va nous expliquer comment fonctionne le recyclage à Jules Verne. Bonjour, quels sont les déchets que nous générons à l'école? Alors à l'école, on va pouvoir séparer en deux parties les déchets. Les déchets que génère l'école et les déchets que génère la cantine. L'école génère pratiquement que du papier et du carton. La cantine génère beaucoup d'autres déchets, du carton, des matières organiques, et ainsi de suite. Alors, on peut séparer les deux. On s'occupe, nous, au niveau de l'école, uniquement de ce que l'on génère au niveau des déchets, c'est-à-dire le papier et le carton. À quoi servent les bennes derrière la cantine? Alors, les bennes derrière la cantine, on met du carton, on met des déchets de construction, on met du bois, et ainsi de suite. Peut-on aussi recycler les autres déchets? Alors, recycler les autres déchets, on n'a pas aujourd'hui de filière de recyclage. Et le conteneur qui est derrière la cantine, dans lequel on met le papier. Quand il est plein, on les appelle, ils viennent et récupèrent le papier. Now that we know how recycling works, we will show you what the different bins are made for in our classrooms and as well as everywhere else in our school grounds. Un reportage de Boubacar Nawar, Alexandre Gauthier et Joseph Cyr. The first recycling bins that were installed in the school classes were big green bags that are used to recycle paper. In each class, we can choose someone to empty the bags in the specific big green bin behind the canteen. Récemment, de nouvelles poubelles ont été installées dans la cour. La jaune recycle le plastique et la verte recycle les canettes. Il est temps pour nous de commencer à les utiliser correctement. Nous sommes maintenant derrière la cantine où il y a de grosses bennes. Nous mettons tout ce que nous ne recyclons pas encore. We are now on the teachers' parking lot where all the teachers put their empty school stationery cardboard, which is also recycled. C'est ici qu'elles seront récupérées. Pour finir, les élèves de CM2 aimeraient développer le recyclage au lycée Jules Verne pour le bien-être de leur environnement. À bientôt et merci de nous avoir suivis sur LGV News. Thank you for watching and we hope to see you soon on LGV News.